Les autorités judiciaires et politico-administratives de la ville de Mouneditou veulent à tout prix en finir avec les occupants irréguliers de concessions de l'État. C'est ce qui justifie la descente le week-end dernier d'une forte délégation composée de ces autorités ainsi que des quelques acteurs de la société civile à l'hôpital général de référence de Tchamala où seront érigés les nouveaux bâtiments de l'hôpital. Sylvain Fizemokadi, une fois de plus. C'est dans cette concession de l'hôpital général de référence Tchamala où sera construit un hôpital moderne, ceci pour contribuer aussi à l'amélioration de la qualité de soins de santé. Ce projet qui sera exécuté par l'entreprise EKMM était destiné au territoire de Kabinda, plus précisément à Kipusha, mais il a été délocalisé pour la zone de santé de Mouneditou par l'autorité provinciale intérimaire après consultation avec les élus provinciaux, la force vive ainsi que les membres du conseil provincial de sécurité. Mais bien avant le début de ces travaux, l'autorité urbaine qui accompagnait les acteurs de la société civile ainsi que ceux de la justice ont effectué une descente sur terrain pour faire l'état des lieux de la concession. Le constat est amer, malgré que les occupants, certains disent qu'ils ont des documents, mais en réalité nos services techniques ne reconnaissent pas cela, que ce soit les titres fonciers, que ce soit l'urbanisme ou l'habitat. C'est comme ça que nous sommes descendus avec ces délégations. L'hôpital doit rentrer dans ses droits puisque les fonds sont déjà là. Le gouvernement central a envoyé les fonds à la province de Lomami pour la clôture de l'hôpital Tchamala. On doit y ériger aussi quelques bâtiments. Chose que les occupants rejettent en bloc et disent par contre détenir les documents délivrés par les autorités compétentes. L'hôpital dispose de demande de 2010. Moi, c'est depuis 1991 que j'ai des documents. Et la partie, j'ai acheté ça en 1981 avec les témoins de l'État. Que c'est l'État qui nous a confié ça. Et aujourd'hui, c'est le même l'État qui vient pour nous réhabiller ça. Tu viens comme ça, comme si nous sommes des bêtes dans le crâne. Et tu dis non, sortez, comme ça on va sortir quelqu'un qui a déjà fait 40 ans. Si tel est le cas, le maire de la ville de Mouneditou promet de saisir le parquet. Je sais que les services seront premièrement sanctionnés. Si jamais il y a deux gens qui ont occupé avec les titres, non seulement le parquet va s'en occuper, nous aussi à notre niveau, d'une manière administrative, nous verrons. Et signalons que c'est au cours de cette semaine que les magistrats pourront recevoir à tour de rôle ses occupants afin de présenter le préav attestant que les parcelles où ils ont construit leur maison leur appartiennent.